estava morta fazendo um corpo piloto sopa. Notre père qui est des cieux, c'est avec reconnaissance que nous venons devant toi pour te remercier car tu es le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, mais en même temps Dieu proche de tes enfants. Tu es venu sur terre en la personne de ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Gloire à toi, Seigneur. Nous te remercions pour ce pain. Nous demandons de bénir. Il représente ton corps. Un corps qui s'est partagé, distribué pour le salut de l'humanité. Nous te remercions, Seigneur, car nous faisons partie de tous ceux et celles qui ont reçu ce salut. Gloire à toi. Que ce salut puisse continuer à opérer dans nos cœurs. Que tu bénisses notre présence ici devant toi. Famille biologique, comme cela a été rappelé tout à l'heure, mais aussi et surtout en tant que famille ecclésiale, que tu nous bénisses tous, Seigneur. Que tu sois présent dans nos vies, que nous soyons tes enfants, et qu'à travers ce symbole, nous soyons remplis de joie, de suivants, pour te servir et te louer, maintenant et à jamais. Invité à rester debout, en tout cas pour ceux qui veulent prendre part à ces espèces. Nous allons les distribuer d'une façon un peu particulière. Je vous ai dit lorsque nous étions dehors, sur cette tente que nous étions dans la famille, que lorsque nous étions ici, nous étions dans l'église. Et bien disons que la famille va maintenant rejoindre l'église. En effet, je vais demander à un père de famille qui se trouve dans l'un des deux premières rangées, ou à chaque première des deux rangées, de bien vouloir s'avancer et de prendre une tanière. Cette tanière, il la fera circuler, non seulement au niveau de sa rangée, mais au niveau de la rangée qui est derrière lui. Ça veut dire qu'avec une tanière, nous allons distribuer du pain à deux rangées, et ce sera à chaque fois un père de famille qui se trouve dans l'une de ces rangées, qui s'approchera de la table, qui veillera à la distribution du pain et qui ramènera une fois que tout aura été distribué, le pain, là où il l'aura trouvé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a besoin d'une précision? Sinon, j'invite chaque père de famille qui se trouve à une rangée, et je compte toutes les deux rangées, à bien vouloir s'avancer jusqu'à la table pour prendre une tanière et la distribuer dans sa rangée. Merci. Thank you.
Dieses ist hier mon corps, ma je vends tous. Vous avez attendu que tout soit servi pour manger. C'est une très bonne question. Les premiers chrétiens, lorsque Jésus était avec eux, buvaient le vin en même temps, par respect. Tu as remarqué que là, nous ne sommes pas devant un repas ordinaire. Ce n'est pas juste pour manger. Ce qui se passe à la cafétéria ou à la maison quand on mange tous les jours. C'est un repas spécial, symbolique. D'où l'intérêt de comprendre la leçon. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On a parlé tout à l'heure du pain comme étant le corps du Christ. Nous voulons comprendre tous, en même temps, la signification de ce geste important. Et là, je me rappelle de ce que l'apôtre Paul disait dans une de ses lettres, de ses épîtres. Il disait, nous partageons tous le même pain. On le partage. On ne mange pas juste pour manger, mais on le partage. C'est pour cela que nous mangeons tous en même temps, pour avoir tous le temps de réfléchir, de s'approprier la signification du geste de Jésus, de sa mort pour nous. Pouvez-vous rasseoir? Moi, j'aime le jus de poire. Et pourquoi vous buvez tous du jus de raisin rouge? Vous avez entendu la question? Notre amie, elle aime le jus de poire. Et pourquoi nous, ici, on boit le jus de raisin rouge, en plus? Je te comprends parce que moi aussi, j'aime bien le jus de poire. Sauf que là, nous sommes dans quelque chose d'important. Tout à l'heure, ça a été dit, un symbole, quelque chose qui nous parle. Quand Jésus est mort, est-ce que tu as vu sûrement des images, des descriptions, des bandes dessinées aussi, tu as dû voir que Jésus est mort sur la croix. Tu te souviens, c'est marqué dans la Bible. Et quand il est mort comment, tu te souviens? Il a été mort sur une croix. Il a beaucoup souffert. Et on sait qu'il a versé son sang, c'est-à-dire qu'il a une souffrance terrible. Et ce vin, c'est-à-dire ce jus de raisin, nous rappelle son sang. C'est pour cela que nous buvons du jus de raisin rouge pour nous rappeler de sa mort. Ça te va? Merci. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance entre mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. »
la même manière, je demande à tous de participer debout à cette prière de bénédiction pendant que nous allons nous agenouiller. Oui, Père, c'est avec nos cœurs remplis de gratitude que nous présentons devant toi pour nous approcher de cette table, de lier les moments extraordinaires de l'histoire de ce monde, de l'histoire personnelle de chacun, le moment où tu as déjà opéré pour nous dans le calvaire, mais aussi lier le moment promis de ta rencontre à nouveau dans le ciel pour ton retour. Et c'est pour cela que je te demande que tu puisses remplir chacun de nous de cette assurance, de cette joie au moment où nous prenons ces symboles. Je te demande que au moment où nous le faisons, nous puissions aussi nous rendre, nous ouvrir complètement à toi et sans réserve, pour qu'ainsi nous soyons bénis par ta présence. Au nom de Jésus, amen. Après avoir permis au papa de servir le pain, nous allons maintenant demander aux mamans de bien vouloir servir le vin. Et pour ça, nous demanderons à chacune d'entre elles de bien vouloir s'avancer pour prendre le nombre de verres nécessaires. S'il fallait prendre plus de 2 verres, comme nous n'avons que 2 mains, vous avez ici des petits plateaux qui sont à votre disposition, sur lesquels seront disposés un certain nombre de verres. Eh bien, vous pouvez prendre ces plateaux, prendre les verres qui seront dessus et les distribuer à ceux qui en auraient besoin. Sentez-vous vraiment à l'aise d'avancer maintenant, chère maman, de prendre les verres pour les vôtres et de les distribuer. Merci. Thank you.
avez servi. Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. » De la même façon, ensemble, rappelons-nous du Seigneur. N'hésitez pas à ramener vos verres vides vers la table et à les disposer comme vous les avez pris la première fois. Pourquoi le sang de Jésus peut-il nous sauver et garantir le pardon? Imagine que moi j'ai fait quelque chose contre toi, que tu n'as pas aimé, quelque chose qui t'a blessé. Mais à la fois d'aller demander pardon à toi, je vais à ton papa et je vais lui dire « Excuse-moi d'avoir blessé ton fils ». Tu crois que ça marcherait? Ça fonctionnerait? Le problème que j'avais, c'était avec ton papa ou avec toi? Avec toi. Et là, c'est la même chose. Quand nous péchons, c'est aussi contre le Christ, le Créateur. Et c'est pour ça que c'est lui aussi que par son sang peut nous donner le pardon. C'est pour ça que c'est lui qui peut nous donner le salut. T'as compris? J'espère. Si le vin que vous buvez est le symbole du sang de Jésus, pourquoi vous n'êtes pas triste quand vous le buvez? Imagine, chose que ne t'arrive jamais, et ton papa le dira que c'est vrai, que tu n'as jamais fait de bêtises. Mais imagine que tu as fait une grosse bêtise. Tu as pris la Ferrari dans le garage de ton père et tu es allé faire un grand tour avec. C'est pas bien fait. Et tu as ce poids dans toi parce que tu dis, il va découvrir et il va me caresser à haute vitesse. Mais pour finir, quand ton papa il a découvert ça, même comme ça, il t'a pardonné. Et il a exprimé son amour pour toi. C'est pour ça que même si le sang et la scène représentent ce moment dans le calvaire,
nous ramène là-bas, à ce moment où le Christ est mort pour nous. On est joyeux, on est heureux parce qu'on est pardonné. Et on sait qu'on est accepté à nouveau dans les bras du Père. C'est pour ça que tu regardes-les. Il faut qu'ils soient plus joyeux, qu'ils montrent plus les dents parce que là, regarde. Est-ce que vous êtes convaincus du pardon et de la bénédiction que le Seigneur nous a donné ce soir? Tu vois, c'est ça qui nous amène à ça. C'est ça qui nous amène à cette joie d'être dans les bras du Christ. Nous avons eu ces jours-ci de partage, de chant, de joie, de beaucoup d'émotions, mais aussi de préparation, de prière pour arriver à ce moment. Nous avons eu l'opportunité de vivre ensemble en tant qu'Église. Mais c'est pour cela que, avant de terminer, avant qu'on parte, j'aimerais vous demander une fois de plus qu'on puisse prier ensemble, en bénédiction, et recevoir encore une fois ce que le Seigneur a pour nous. Je vous demande donc de vous mettre debout. C'est Dieu qui nous donne la paix. Il a fait remonter de chez les morts notre Seigneur Jésus, qui est le grand berger des moutons. Et le sang de son sacrifice a obtenu pour nous une alliance qui dure toujours. Que ce Dieu vous rende capable d'agir toujours bien pour faire ce qu'il veut. Qu'il accomplisse en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui plaît. Rendons-lui gloire à Jésus pour toujours. Paix à chacun de vous dans le Christ. Amen. Nous allons vous raccompagner maintenant pour cette soirée en chantant un magnifique chant qui nous projette déjà dans le ciel. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus, où ça? Dans le ciel. Je vais inviter mes amis de la liturgie à me rejoindre et nous allons ensemble chanter ce chant pour terminer. Pour ceux qui ont gardé leur hymne et louange, c'est le 394, et puis pour le donner lui gloire, ce sera le 359. Ensemble. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel.
voir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie. C'est là le bonheur éternel. Ensemble, dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Merci. Du vendredi, notre début de sabbat. Quelques mots très rapides pour vous rappeler que demain nous nous retrouvons à 9h ici même pour un temps de louange. Nous voulons vivre une matinée de culte classique. Merci de respecter les horaires, d'être ponctuel, ce sera plus confortable pour tous.